quand il y a beaucoup de commandes, que j'ai fait beaucoup de colis, que j'ai ma voiture remplie et que je prends la route et qu'il fait beau en plus. Alors là, c'est le bonheur total. Et où je me sens très content d'avoir fait le choix que j'ai fait, d'être seul dans ma boîte et d'être libre. Aquarez aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est deux grands axes de vente. Il y a d'une part la marque Aqualine, qui est donc tout ce qui est produit de natation. Et d'autre part, on fait le textile aussi. Textile que je vends aux écoles, que je vends aux entreprises, que je vends aux scouts, que je vends aux cercles d'étudiants, etc. Cette aventure a commencé en 2006. Comme tout bon manager d'une société dans laquelle je travaillais depuis 20 ans, j'ai été licencié, pour cause économique bien sûr, et puis j'ai commencé à chercher d'autres choses, et puis c'est à la suite d'un interview, d'un entretien d'embauche, je suis sorti de cet entretien et je me suis dit, plus jamais je travaillerai pour un patron. Et je me suis dit, Jacques, ce que tu fais, fais-le pour toi, tu seras ton patron. Et j'ai démarré. Je me suis mis en quête de trouver une activité. Et puis, pour ça, des sessionnaires d'entreprise, ça s'appelle. Et il y a un monsieur qui est venu me proposer la marque Aqualine. J'ai d'abord repoussé parce que je me suis dit, non, je ne peux pas vendre des produits de natation, moi. Hein, j'aime pas nager, donc voilà. Et puis, finalement, deux mois après, j'ai réouvert son dossier. J'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Il y a des produits fun, il y a de la couleur, il y a des choix de produits. Et puis, on va en contact avec la clientèle. Il y aura tout à faire parce que c'était assez vieillot comme entreprise. Je me suis lancé et voilà, j'ai démarré le 1er mai 2006. Oui, Jacques. Oui, Charles, bonjour. Je voulais savoir, je suis devant votre site là. Oui. J'aimerais faire une commande groupée pour toutes les primaires. On est sur une centaine d'élèves. Ce qu'on peut proposer, ce sont d'abord les bonnets personnalisés. Donc ça, c'est à partir de 100 pièces. Comme ça, vous avez un petit peu de réserve. À ça, en 2010, je me suis dit, tiens, comme je travaille beaucoup avec les écoles et les bonnets personnalisés, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus comme produit à ma même clientèle, pour pas devoir me créer une deuxième clientèle. Je me suis dit, bon, ben, je vais peut-être dans les écoles faire le textile, proposer le textile de gymnastique, les t-shirts, les pulls, etc. Et j'ai commencé comme ça. Et puis j'ai étendu aux entreprises, j'ai étendu au cercle d'étudiants. C'est pour les hommes, donc c'est une coupe un peu plus masculine. Mais je fais tout moi-même, oui. L'administration, je continue, l'administration, la vente, la préparation des colis, la facturation, la gestion comptable, je fais tout. Technologiquement et techniquement, créer un site soi-même, je ne me sentais pas capable. Proximus est arrivé avec son système Biz Online juste au bon moment. Et donc, ils sont arrivés avec des offres très, très alléchantes pour les PME et pour les petits entrepreneurs comme moi, avec des prix défiant toute concurrence et un service défiant toute concurrence. J'ai sauté dans la barque, ils m'ont créé mon site. Et aujourd'hui, je suis en train de terminer encore certaines améliorations pour avoir vraiment l'outil du futur qui sera prêt demain quand les affaires redémarreront. Bien sûr, je garde ce que j'ai, je veux le contact avec la clientèle, mais si j'ai ce petit plus du webshop, ce sera parfait. Vous avez trois couleurs. Bleu qui me servait pour la gendarmerie. Je me suis dit, il faut faire les photos, je ne peux pas me payer le salaire d'un photographe. Et donc, je vais aller m'acheter un petit studio. J'ai été acheter un petit studio à 120 euros. J'ai monté sur mon bureau et j'ai fait toutes les photos de mes produits que j'ai envoyées à Proximus. Et voilà, elles sont aujourd'hui sur le site et elles sont, je trouve, pas mal. J'ai pas eu des moments de doute, mais j'ai eu des moments difficiles et principalement des moments de trésorerie. Ça, c'est les moments les plus difficiles à passer, on ne dort pas bien. Et puis tout s'arrange un jour, et puis il y a trois nouvelles commandes qui arrivent, et on est reparti, et tout va bien. Proximus. Think possible.